Bonjour Tim. Oui, bonjour Juan Gomez. À Kinshasa, soyez le bienvenu, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, Vital Kamerhe a été acquitté et se tourne maintenant vers l'élection présidentielle de 2023. Alors, j'aimerais savoir quel pourrait être son avenir politique au sein de la coalition au pouvoir. Ouais, c'est vrai qu'il est désormais libre, il a finalement été acquitté en appel. Un acquittement qui intervient effectivement, ça n'a échappé à personne, à un an de la présidentielle. Bonjour Trésor Kibongula. Bonjour. Analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Il ne fait aucun doute que Vital Kamerhe revient dans l'arène politique ? Oui, je pense qu'il faut d'abord rapidement rappeler l'état des relations justement entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. En fait, malgré la condamnation de Kamerhe pour détournement de fonds dans les procès retentissants des 100 jours en 2020, il n'y a pas eu divorce pour autant entre les deux hommes alliés de la première heure de Tshisekedi par l'accord de Nairobi, un mois avant la présidentielle de 2018. Alors qu'il vient d'être condamné, Kamerhe avait d'ailleurs donné des consignes assez claires à ses militants pour ne pas faire des vagues, ne pas s'attaquer au président de la République. Et un mot d'ordre avait été donné à ses ministres de ne pas démissionner du gouvernement. Et après, tout le monde aussi a entendu le président Tshisekedi parler de son ex-directeur de cabinet, des termes plutôt sympathiques, quelqu'un de correct, de sérieux. Je suis convaincu, disait le chef de l'État il y a un an, que Vital Kamerhe jouera encore un rôle dans ces pays. Et justement, quel sera donc ce rôle? Je pense que cette question était d'ailleurs l'un des sujets de la rencontre d'hier. Effectivement, parce que oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité cette nuit, le président Félix Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe. Oui, effectivement, rien n'a, et il faut signaler que c'est seulement 4 jours après l'acquittement de Vital Kamerhe. Rien n'a filtré de ces échanges, mais tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir, en dehors de son autorité morale, Tshisekedi lui-même, manque de chef depuis l'éjection de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et on le sait, Vital Kamerhe était le premier à assurer Félix Tshisekedi, à peine proclamé président de la République en 2018, qu'il sera possible de faire basculer la majorité parlementaire en sa faveur, majorité parlementaire acquise à l'époque par l'ex-président Joseph Kabila. Aujourd'hui, donc, Kamerhe pourrait bien être, dans un premier temps en tout cas, ce coordonnateur qui manque à l'Union sacrée de la nation, cette coalition très hétéroclite autour de Félix Tshisekedi, fin stratège, Kamerhe a les profils pour le job. Oui, certains le disent, enfin le surnomment même le faiseur de roi, il a le profil pour le job, Trésor Kibongula. On le dit, mais c'est ce qui se dit, et c'est votre avis de politologue qui m'intéresse, à la primature. Oui, il était annoncé à la primature, mais on sait aussi que le président de la République lui-même dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour faire avancer sa vision politique. Il était dans de combines ou les deals avec Joseph Kabila qui a explosé il y a 2 ans, il y a en 2020, fin 2020. Donc aujourd'hui, il reste peu de temps et les enjeux maintenant, c'est la présidentielle de 2018. Comment est-ce qu'il peut utiliser mieux Vital Kamerhe pour les échéances à venir? Et voilà, ça se discute encore entre soit prendre ses postes de primature, c'est une hypothèse de travail, mais aussi et surtout être celui qui va remettre un peu de l'ordre dans l'Union sacrée de la nation. Oui, en tout cas, vous disiez que rien n'a filtré de la rencontre cette nuit entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est exact. Il y a quand même des photos officielles qui sont publiées dans la presse et on voit clairement les deux hommes se serrer la main, se faire des accolades et selon la présidence, l'ambiance a été cordiale. Tim, vous avez une dernière question sur ce sujet qui, si j'en crois les réactions standards et sur nos réseaux sociaux, passionne en ce moment les Congolais, puisque évidemment on parle de politique politicienne à 15 mois à peine de l'élection présidentielle. Oui, évidemment, Juan. Selon les accords de Nairobi de 2018, Félix Tshisekedi devait être soutenu pour les élections présidentielles par Vital Kamerhe, avant que ces derniers ne soient soutenus par l'actuel président en 2023. Alors, qu'en est-il de cet accord de Nairobi ? Ah, bonne question, Trésor Kibongula. Vous évoquiez l'accord de Nairobi il y a quelques instants. Les deux hommes, en 2018, s'étaient entendus sur une sorte de partage du pouvoir. En 2018, Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi. Et en contrepartie, théoriquement, en 2023, Tshisekedi s'était engagé à soutenir Vital Kamerhe.
Oui, ça c'était Il y a 5 ans. il y a longtemps, il y Il y a a 4 ans. 5 ans, effectivement, ouais, il y a 4 ans. Donc la donne politique a terriblement évolué depuis cet accord. Les alliances d'hier ont pour la plupart été rompues, même les alliances de la préélection. Les nouvelles alliances sont en train de se constituer. On a vu hein, l'ex-président Joseph Kabila s'est réconcilié avec Moïse Katumbi, qui pourrait cette fois-ci être candidat à la présidentielle. Martin Fayulu cherche des nouveaux alliés dans ce qu'on appelle bloc patriotique. Les anciens premiers ministres Matata Ponyo et Adolphe Nzito se positionnent aussi et consultent chacun de son côté. Donc, même si personne ne le dit, l'accord de Nairobi de 2018 n'a pas survécu hein, à ces dynamiques politiques. Vital Kamerhe le sait lui-même. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a déjà annoncé plus d'une fois qu'il sera bel et bien candidat à sa propre succession. Aujourd'hui, Kamerhe a donc le choix, soit de s'aligner de nouveau, comme en 2018, derrière Tshisekedi, comme pourrait le faire Jean-Pierre Bemba, soit de prendre ses distances. Aujourd'hui, c'est plutôt la première option qui me semble la plus plausible. Kamerhe et Tshisekedi tenteront ensemble sûrement de constituer, de réconstituer un ticket pour faire face Oui. hein, aux différents fronts des oppositions qui se préparent face au président actuel et face au régime actuel. Et surtout, aussi, il est tribun et Kamerhe pourra aussi contribuer à faire davantage entendre la voix du régime qui fait face aussi à la résurgence du M23, soutenu vraisemblablement par Kigali. Là aussi, Kamerhe connaît des acteurs clés des dynamiques sécuritaires dans l'Est du pays, parce qu'il est de Tout Bukavu. à fait. Et dans cette partie-là, on attend une force régionale des États de l'Afrique de l'Est qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique.